Bon matin, je m'en vais à Magic Kingdom pour filmer quelques vidéos ce matin. Je vais passer au food court remplir ma gourde d'eau et de glace avant. Et ensuite, c'est hop, dans l'autobus. Présentement au Launching Pad qui est dans Tomorrowland, en dessous du People Mover. Et je vais essayer le bol déjeuner qui consiste de tater tots. On a une omelette sur le dessus, du pico et une genre de sauce. Cheers! C'est tellement bon! Wow! C'est un 15 sur 10, c'est excellent. Le prix avec les taxes c'était 11 et 17. Puis la portion là est assez généreuse. Pour deux personnes, je dirais qu'il y en a assez. Donc, je viens de terminer de filmer mon tour guidé de Magic Kingdom. J'ai eu un petit malaise le mi-tour parce qu'il fait vraiment chaud. On est seulement au mois de mai, donc imaginez cet été comment il va faire chaud. Là, je vais retourner à l'hôtel, me reposer. Je crois que pour le lunch, je vais sortir, manger dans un restaurant hors-site et après aller faire des courses au Target pour acheter quelques trucs. Parce que là, au Art of Animation, eh bien là, le frigo est plus gros et il y a également un micro-ondes. Donc on est présentement le 8 mai et je m'en vais à Magic Kingdom accompagnée ce matin, donc deux jours de suite, un matin à Magic Kingdom. J'ai mon mug, donc je vais aller remplir tout ça de café parce que j'ai pas fait de café à la chambre. La cafetière elle va vraiment pas bien, j'ai de la misère à la partir, donc accompagnez-moi à Magic Kingdom.
Early Entry vient de terminer. On a le temps de faire Dumbo, Barnstormer, Post Toilette et Ariel. Donc là, on continue dans Fantasyland. Alors, super lunch au Plaza, et là, je vais me diriger vers Tron. Mon boarding group n'est pas encore appelé, mais ça devrait s'en venir, donc je vais passer par la Tomorrowland Terrace, le shortcut. Et ben, le soir, si on peut pas faire ça, le shortcut, c'est fermé, mais là, dans le jour, c'est ouvert. Et j'ai adoré mon lunch au Plaza, c'était vraiment cool. Finalement, on n'a pas fait le boarding group de Tron parce que après le Carousel of Progress, le manège était down puis on savait pas combien de temps ça allait prendre avant que ça peine. Alors on a décidé de quitter le parc, on a écouté le Festival of Fantasy Parade. Puis quand on était à la sortie du parc, notre boarding group a été appelé. Mais on a choisi de pas y aller puisque il doit sûrement avoir du retard. Avec le retard accumulé, j'estime ça va être au moins une heure d'attente à l'extérieur si c'est pas plus. Puis au soleil, j'ai même pas de crème solaire avec moi dans mon sac, fait que je vais pas risquer une heure d'exposition au soleil. Alors je retourne à l'hôtel et aucun plan pour ce soir. Je vais voir. La boulangerie en France. J'espère que la file sera pas trop longue. Il y a quand même beaucoup de personnes à Epcot ce soir.